centaines de personnes participaient à une course préparée par le club de la mer le 12 octobre 2014 à l'occasion de l'anniversaire de l'association qui fêtait ce jour-là ses 80 ans. Devant le stand. Non, je ne sors pas le. Mais il faut la porter au pied par contre. Happy birthday to you pour le club de la mer. Bon, alors je voulais vous remercier. Vu d'ici, c'est impressionnant. Une forêt de blancs et de paniers. Et voilà, merci et encore merci à notre président. Et merci pour les aînés qui étaient depuis 80 ans derrière nous et qui ont pratiqué du kayak et d'autres choses depuis quasiment un siècle. Donc, honneur à eux. Et vous leur faites, vous, beaucoup d'honneur à être présent ce matin pour cette course. Voilà, c'était juste un petit message pour les anciens. Voilà. Donc, je rappelle qu'il y a un seul départ de course qui va se faire donc, devant le club nautique entre la bouée verte, que les gens connaissent, c'est la bouée de délimitation de navigation, et le bateau directeur, qui est la grosse barge en aluminium. Derrière vous, la barge Marius, pilotée par Jean-Marc. Vous avez des bateaux sur le ponton central qui sont tout neufs. Organisé sur la base nautique du port de Nice, un aller-retour jusqu'au fond de la rade de Villefranche permet à tous les participants de se mesurer les uns aux autres, tout âge confondu. Dans le fond, c'est beau. Ah, la photo, j'ai dit. Ah, la photo. C'est pas grave. Thank you.
Après l'effort, le réconfort. À la suite de la remise des récompenses, un repas composé d'une paella et d'une salade de fruits préparée entièrement sur place fut servi aux participants et aux bénévoles. Pour le petit parcours, j'appelle Justine Brodu. On va continuer la BU du club. Le K1 junior homme pour le petit parcours, Damien Artero. Bravo. Pour le cas homme, petit parcours, Jean-Paul Giorgi. Pour le cas 1 féminin, Muriel Castelli. J'avais oublié quand même de vous présenter pour ceux qui ne le savent pas, le pilier du club, le doyen Théo, ici présent, qui nous fait l'honneur de sa présence, 94 ans. Merci. Vous voyez que le sport, c'est bon, hein? Ça maintient en forme, hein? Et grâce à toutes les poupées que j'ai eues, je remonte la pente, hein? Si vous voulez, vous chantez un peu d'autres chansons de sport. Oui. 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 Regina del flu, sultani di urto viso, io canterò il tuo giù, canterò in montagna, l'ultimo richiede cor, l'ultimo verti in campagna, l'ultimo grasso regò, tu giugno canterai, sultani di urto viso, ma viva. Pour le parcours homme sur le parcours numéro 2, j'invite pour le meilleur temps Vicini Stéphane. Bravo. Pour le parcours numéro 2, toujours pour les femmes, j'invite Charity Copper. En cadeau, Franck Ressa et Robert Corvette. Pour le paddle homme, Fabien Bertazzo. Et je vous informe juste que Fabien est quand même penché à la peau rouge et qui nous fait honneur de sa présence. Voilà. Donc on remercie aussi la présence des pompiers, la présence de Bruno Carnier, qui est ici présent. Voilà, qui est notre délégué au kayak régional. Voilà. Et Frédéric Allon, ici présent aussi.
Donc, si, nous avons aussi un ensemble de kayakistes italiens qui est venu, qui s'est passé de Venise pour faire la course. Qui sont des amoureux de la mer aussi comme nous, et qui font du bateau en bois et qui sont venus nous saluer. On les voit souvent sur l'eau pêcher, on les voit pour la fête du port et ils sont venus aussi nous saluer comme gens de la mer. Merci aux gens de la mer aussi, merci. La salade de fruits fraîche, la paella maison, et puis l'aide des pompiers complètement bénévoles qui se sont improvisés au service. Vraiment, on les remercie.